Hello, thank you for joining us. Just 1 minute. Bonjour, merci de nous rejoindre. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Senaï, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ilaria. Bonjour, bon après-midi, selon d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour la dernière session de cette série sur la dette. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la mobilisation et les stratégies à utiliser pour lutter contre la dette. N'oubliez pas que la session est enregistrée. Nous avons l'interprétation en anglais, en espagnol, en français et en portugais. Vous avez une petite planète en bas à droite. Vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter l'interprétation. Une remarque d'introduction. Et ce dont je parle un petit peu plus tard, avant de commencer, je voudrais présenter rapidement et remercier les différents participants du réseau, ce qu'on appelle les DAD, les organisations de la dette et le développement, qui sont APPMD, AfroDAD, EuroDAD, LatinDAD, le Jubilé USA. Ensuite, nos donateurs, qui sont l'Union européenne, Bread for the World, Open Society Foundations, America. Et merci aussi à Oziza pour avoir fourni l'interprétation en portugais. Bien d'avoir cette facilité dans la conversation. Concernant la structure de la journée, nous avons deux présentations, deux parties plutôt. Après la première présentation, vous aurez, vous pourrez poser des questions, vous pouvez les mettre dans la case questions et réponses. Et pendant la présentation, n'hésitez pas d'utiliser justement la case de questions-réponses et le chat pour interagir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses qui vous viennent à l'esprit, des choses que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. N'attendez pas la fin. Utilisez donc ces deux ressources. Alors, pour commencer, nous allons avoir Test Wolfenden, qui est chercheuse et chef de la recherche sur les politiques à Jubilee Debt Campaign. Ensuite, on aura Bhumika Mushala, qui est analyste de politique senior à Third World Network, après Nick Darden. Je suis Shenaï Mukumba. Je suis une chercheuse en politique et directrice de plaidoyer en défense des intérêts des peuples à Tax Justice Network en Afrique. Je suis très heureuse d'être la modératrice aujourd'hui. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Je vais maintenant céder la parole. La première présentation est sur l'accès aux données concernant la dette publique qui sera faite par Tess. Tess va partager son écran. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour votre introduction. Je suis aussi très heureuse de suivre. J'ai suivi toutes les journées. Donc, oui, comme tu l'as dit, je vais vous présenter sur les données concernant la dette publique. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, je ne vais pas vous faire véritablement une formation sur tout ce qui est disponible. Je vais plutôt vous présenter quelles sont les données disponibles, où est-ce que vous pouvez les trouver, comment les chercher, comment y accéder, comment les analyser pour vos travaux. Donc, je vais commencer par vous présenter
deux ressources que nous utilisons pour la campagne de sur la dette de Jubilé. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder à l'information sur la dette qui couvre beaucoup de formes, beaucoup de manières dont vous pouvez accéder à ces données. Vous aurez donc une présentation sur tout ce que nous avons à notre disposition et comment y accéder. J'espère que tout le monde peut le voir. C'est un guide qui sert à comprendre comment accéder à l'information sur la dette. Je vais commencer par là parce que c'est une bonne manière d'avoir une vision générale de quelles données sont disponibles et comment y accéder. Je vais partager des liens sur tous les sujets dont je vais vous parler. Ce document est un guide pas à pas. Ça commence avec une petite présentation, naturellement, et ensuite quelques concepts utiles pour comprendre la dette. Ensuite, vous avez différentes manières de trouver les données pertinentes. Alors, je descends. Donc, la première dont je voudrais vous parler, c'est accéder à la base de données de la Banque mondiale. Voilà ce que vous verrez quand vous ouvrirez cette page web de la Banque mondiale pour y accéder. Vous pourrez accéder aux données sur la dette externe des différents pays, comment elle est ventilée, puis aussi pays par pays ou par groupe de pays. Vous avez aussi de l'information sur les paiements de la dette courants et puis prévus dans le futur. Comme vous laissez par pays, par zone, par série et finalement, une fois que vous avez trouvé l'information que vous souhaitiez, vous pourrez voir un tableau qui ressemblera quand vous serez sélectionné, vous aurez un tableau comme ceci. Alors au début, c'est un peu confus parce que vous ne comprendrez pas toutes ces abréviations, mais dans le guide, tout est bien expliqué, ce que ça signifie. Et comme ça, vous pourrez accéder, je pense, facilement à l'information après un petit moment pour après vous être habitué. Ensuite, nous allons voir les analyses de soutenabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Ce sont des analyses donc de soutenabilité de la dette pour les pays. Pour la réduction de la pauvreté et pour les groupes en cours de croissance. Comme l'analyse de la crise de la dette qui est dans chaque pays et dans certains cas, les documents et les informations sur à qui le pays doit cette dette. On descend encore. Là, vous avez quelques exemples. Le guide vous montrera quelles sont les données utiles et qu'est-ce que ça signifie concrètement. Par exemple, le point numéro un, c'est la dette totale du secteur public et par rapport en pourcentage, par rapport au produit intérieur brut. Et ça comprend les intérêts. Ensuite, en bas, vous avez un guide de ce que signifie chacun de ces informations et comment l'utiliser, à quoi elle vous sert. Ensuite, la cinquième partie, c'est une information sur les obligations d'État. Donc, ce sont des bons d'État. Et souvent, on n'a pas accès à ces informations. C'est assez difficile à trouver, mais il y a quelques pages sur lesquelles on peut trouver des informations. Ce guide vous analyse en détail. Vous avez un exemple que je voudrais partager avec vous. Ceci,
C'est l'information des bons de la Zambie. C'est une page qui s'appelle Business Insider. L'information est gratuite et vous pouvez y accéder. Vous pouvez voir. Donc ici, on a choisi la Zambie. Les obligations émises en 2014. Et il arrivera, ces obligations arriveront à échéance en 2022. Vous avez diverses informations. Vous voyez la monnaie dans laquelle elle a été émise. Vous voyez le coupon, c'est-à-dire les intérêts. Vous voyez la date à laquelle ce doit être remboursé, etc. Enfin, en dernière partie du guide, vous verrez les informations concernant les prêts bilatéraux, c'est-à-dire avec d'autres États. Ça analyse en détail comment accéder à cette information. Par exemple, vous verrez comment les prêts provenant de la Chine. Et ce guide a été lancé il y a quelque temps. Souvent, les informations sur les prêts bilatéraux sont disponibles au niveau de chaque État. Voilà, c'est un survol très, très rapide, je sais, de ce guide, mais vous verrez, si vous y plongez attentivement, vous allez vous y retrouver, ça va vous aider véritablement à comprendre. Il y a une autre page importante que j'aimerais partager avec vous, c'est le portail de la dette de Jubilé. Ça, l'année dernière, nous avons réalisé des statistiques et des analyses de différents pays. L'idée, c'est que les données que nous arrivons à réunir à niveau collectif est beaucoup plus fournie que les analyses, que les pays sur lesquels le FMI donne de l'information. Donc, en violet, vous avez les informations concernant la page web en général. Et la partie intéressante, c'est quand on arrive à ces 6 onglets. Our Risk Analysis, c'est ce qui est en rouge et en gris, là, les différents. Voilà. Si on clique sur l'onglet FMI, l'analyse du risque du FMI, et sur la première page, si vous comparez avec notre analyse de risque de Jubilé, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de pays analysés. Ensuite, au troisième onglet, vous avez le paiement de la dette externe des différents gouvernements par rapport au pourcentage par rapport aux revenus. Et ensuite, la balance entre la dette due et la dette possédée. Et ensuite, la dette externe privée. Et enfin, la balance en monnaie courante. Chacune des données est en pourcentage. Vous verrez sur la droite, vous avez la légende du niveau de risque des pays avec différentes couleurs et un petit peu d'information. Si vous cliquez sur un pays, vous aurez l'information sur chacun des pays. Vous aurez choisi. Ça peut vous aider considérablement. Enfin, nous avons une autre partie importante qui nous donne une vision globale des données de chaque pays. Donc, je prends la Tanzanie. Vous avez une information qui réunit tout ce que nous avons réussi à avoir comme information sur ce pays. Vous avez l'analyse de dette par Jubilé, par le FMI, la dette externe du pays par rapport à ses revenus. Et le solde de la balance des paiements. Et finalement, en bas, vous avez un tableau où vous avez un résumé de l'information à laquelle vous pouvez accéder. En haut, on revient en haut.
Vous avez des informations sur comment nous avons créé notre organisation et pourquoi et comment nous avons réalisé nos analyses de risque et quelles sont nos sources. Et là aussi, vous avez des tableaux qui donnent des informations sur où vous aurez plus d'informations, plus de liens à plus d'informations disponibles. Si vous voulez télécharger des informations pour réaliser votre propre feuille de calcul, vous pouvez le faire. Voilà, pour les choses qui me paraissent les plus intéressantes, pour analyser le risque par le FMI, parce que c'est une des parties importantes de ce site web. Si on regarde l'analyse du FMI, ces informations sont collectées directement par le FMI et donc les couleurs signifient rouge que le pays se trouve en situation de surendettement, orange en risque élevé de surendettement, jaune en risque modéré et vert en risque bas. Donc, on voit qu'il manque beaucoup d'informations, des données de beaucoup de pays. Il y a dans certains cas des gouvernements qui stoppent, qui ne communiquent pas les données au FMI. Ce qui se passe, c'est que le FMI, dans son analyse, ne prend pas tellement en compte la capacité du gouvernement à protéger ses citoyens. Ils ont posé des questions financières uniquement, c'est-à-dire quelle est la capacité de repaiement du pays. Donc, nous avons pris en compte ces lacunes et nous avons créé notre propre méthodologie pour évaluer la capacité de paiement des pays. Et la première chose que vous allez remarquer, c'est que l'analyse a été menée sur beaucoup plus de pays. Vous voyez, il nous en manque vraiment très peu par rapport au FMI. Ensuite, vous voyez le code de couleur à droite. Nous avons des catégories différentes par rapport à l'analyse des risques du FMI. Et ça, c'est parce que nous avons inclus aussi le risque de dette privée dans notre analyse. Pourquoi nous avons fait ça? Eh bien, parce que la dette détenue par le secteur privé, en plus de la dette soutenue, détenue par le secteur public, peut déstabiliser le pays. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Et donc, ici, à Jubilee Debt Campaign, nous avons pensé qu'il était important d'inclure ce paramètre. La définition de crise de la dette pour Jubilee Debt Campaign est assez différente aussi. Pour nous, une crise de la dette, c'est lorsque le repaiement de la dette, le paiement de la dette peut déstabiliser l'économie d'un pays ou sa capacité, la capacité du gouvernement à protéger les droits sociaux et économiques basiques de ses citoyens. Donc, nous analysons vraiment les impacts sur la population d'un pays. Si on en revient à l'analyse de risque du FMI, vous verrez qu'il y a 6 pays qui se trouvent en rouge, c'est-à-dire en situation de surendettement. Mais si vous revenez à notre analyse, l'analyse de Jubilee Debt Campaign, vous voyez qu'il y a 57 pays en rouge. Et ça, c'est parce que la méthodologie utilisée a été différente. Mais ça montre aussi qu'il y a des lacunes dans l'analyse du FMI. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que je vous ai peut-être donné trop d'informations en trop peu de temps et un peu trop vite. Mais j'espère que ça a été très utile pour vous. Ce n'était pas vraiment une démonstration. Hein. C'était, une introduction assez un survol hein, de tous les outils dont vous pouvez disposer. Donc, dans la séance des questions-réponses, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tess. C'était vraiment très, très intéressant. Et puisque vous avez parlé du cas d'étude de la Zambie, eh bien, j'ai participé moi aussi à ce cas d'étude et j'ai participé à des mouvements de société civile en faveur
du mouvement de la dette. Vraiment, je dois vous dire qu'on apprécie énormément le travail que vous faites à Jubilee Debt Campaign, parce que en plus, vous soulevez des préoccupations que nous avons, que nous partageons avec la société également. Alors, maintenant, je crois qu'on a terminé un tout petit peu plus tôt que prévu, donc on aura plus de questions, plus de temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, merci d'avoir partagé ces informations vraiment indispensables. Je vois qu'on a déjà des commentaires dans le chat. Ce sont des informations clés, vraiment. Il est important que les participants puissent y accéder. Je ne vois pas de questions directes dans le chat. Donc, nous allons continuer. Et vraiment, chers collègues, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la séance de questions-réponses. On va revenir vers vous un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne mon expérience nationale au Zambie, évidemment, c'est un pays qui se trouve en situation de surendettement à l'heure actuelle. Et nous avons appelé le gouvernement avant cela. Nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous allions vraiment droit au mur vers cette situation de surendettement. Et on était dans une situation où le FMI n'avait été bien loin du compte dans son analyse. Mais on était bel et bien dans une crise en ce qui concerne la protection sociale. Et les ressources dont le gouvernement dispose doivent être utilisées pour protéger les citoyens. Donc, moi, je serais curieuse de savoir. L'image est coupée. Donc, ma première question. Comment. Ah, je vois qu'on a une question. Donc, la mienne, c'est comment vous avez interagi avec le FMI? Comment vous avez communiqué avec eux? C'est-à-dire, quelle a été leur réaction en ce qui concerne votre méthodologie? Et ensuite, quelle est la perception de votre interprétation du risque de surendettement? Je veux dire de la part de la société civile, lorsque vous avez partagé ces informations. C'est une question qu'on m'a posée, j'essaye de vous la renvoyer en boomerang, de vous la transmettre. Alors, moi, je n'ai pas fait partie, proprement parler, de la méthodologie de cette analyse. C'est un collègue à moi qui l'a fait. Mais je peux vous dire pourquoi est-ce qu'on utilise le portail de cette façon. Et je peux vous dire qu'on a subi pas mal de pression d'organisations de la société civile. Et d'après ce que j'ai compris, le FMI a commencé à se rendre compte que oui, ces données étaient importantes à prendre en compte et qu'il est important de comprendre les besoins en développement des pays. Et l'année dernière, on se posait la question de savoir si le FMI incluait le climat dans son analyse de soutenabilité de la dette. Et on peut dire en général que le FMI a encore beaucoup à faire pour inclure plus de données, de paramètres. Le FMI déclare souvent que, enfin, c'est son discours général, qu'il est là pour soutenir la société. Mais on voit que la mise en place dans les faits, c'est bien différent. Je crois que votre travail, ça montre vraiment
l'impact direct sur les citoyens. Et pour moi, c'est l'objectif vraiment ultime. Super. Alors, je vois une question de la part d'un certain John. Alors, je vais essayer de vous la lire. J'aimerais demander à Madame Mukomba quel est l'effet de la chute de la devise Kwacha sur les prix alimentaires. Est-ce qu'on a des données sur cela? En ce qui concerne mon expérience personnelle, par rapport à il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'inflation et on peut acheter beaucoup moins de quantité de nourriture pour le même montant. Et l'un des facteurs qui a influencé cela, c'est évidemment la situation de la dette. La dette a des implications dans tellement de secteurs différents. Et notamment, ça a un impact sur l'inflation. On est arrivé à une inflation de 26%. Et on en est là aujourd'hui. Donc, évidemment, la presse en parle énormément de l'inflation. Et beaucoup de gens ressentent cette inquiétude. Les hommes politiques également. Les hommes politiques, évidemment, n'ont pas ces mêmes problèmes par rapport à l'approvisionnement de ressources. Je suis en train de lire des commentaires de la case du chat. Alors, je n'ai pas la question sous les yeux. En ce qui concerne l'accès d'informations sur les obligations d'achat, il y a plusieurs sites web où vous pouvez accéder à cela. Et je n'ai pas tout mis dans ma présentation. Parfois, ça peut être un peu difficile d'accéder à toutes ces informations. En ce qui concerne la dette privée, il y a des problèmes de transparence. Il y a des décalages entre ce que l'on dit, ce que l'on trouve comme information. D'accord. Alors, une autre question de Henri Kaufmann. Est-ce que vous aimeriez la poser vous-même? Est-ce que vous aimeriez poser la question oralement? D'accord, pas de souci. Bon, Tess. Ça va être une question pour vous ou pour Yolanda? Lorsque j'accède au site de la Banque mondiale, je vois qu'il y a beaucoup plus d'informations que sur votre portail et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à accéder aux bonnes informations et à faire la part des choses. Oui, c'est une très bonne question. Moi aussi, j'ai trouvé d'autres guides similaires aux nôtres. Et je vais vous laisser mon email dans le chat, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions spécifiques et je pourrai y regarder, les examiner plus en détail. Donc, j'aimerais savoir, je serais curieuse de voir ce que Yolanda va répondre. Je crois que c'est une
Excellente question. Et j'ai moi-même des questions de cet ordre-là. Et la façon dont les informations qu'ils communiquent peuvent influencer les gens, d'une part, et d'autre part, le Jubilee Debt Campaign, en plus de son site web, a donné des webinaires l'année dernière, je crois, sur comment accéder aux informations. Ces webinaires sont extrêmement utiles. Et ces webinaires étaient fondés sur les statistiques nationales sur la dette. Et vous pouvez écrire, envoyer un email. Il y a toujours quelqu'un parmi nous, nos collègues, qui sait comment accéder aux informations et qui peut partager cela. On a tous les mêmes doutes. Donc, c'est bien de les communiquer avec les autres. Et comme ça, on peut aussi, nous, exercer des pressions pour obtenir plus d'informations. Donc, je voulais vous dire aussi que j'essaye toujours d'obtenir une réponse de leur part. Parfois, ça n'a rien donné parce qu'ils vous renvoient à la même base de données, aux mêmes informations. Parfois, ça a été utile. Merci beaucoup, Yolanda. Ma question suivante, c'est d'envoyer le... J'aurais voulu vous demander d'envoyer le lien vers cette ressource. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce dont Yolanda a parlé, vous le trouverez dans le chat. Et pour tous ceux qui nous suivent, Tess a envoyé son email dans la case du chat. Donc, n'hésitez pas à lui faire parvenir toutes vos questions si vous en avez. Donc, je regarde si je n'ai pas manqué de questions. Je vérifie s'il n'y a pas une question que je n'aurais pas vue. Non, je crois que c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que nous allons faire une petite pause. Et Tess, comme vous avez toute cette information, comme vous avez vu après avoir vu toutes ces bases de données, tout ce qu'on peut réunir comme information, on va voir concrètement ce que nos organisations font en matière de mobilisation et comme stratégie pour défendre l'intérêt des peuples dans le cas de la dette souveraine. Je pense que le travail que vous faites est beaucoup plus complet que tout ce que nous avons sur le FMI, effectivement. Et avec toute cette information, j'aimerais savoir ce que vous en faites ensuite, une fois que vous avez accédé à toute cette information, que vous l'avez traitée, que nous passerons donc à la phase mobilisation et comment on mène la lutte pour défendre l'intérêt des peuples dans le cas de la dette. Donc, est-ce que vous avez une dernière remarque que vous voudriez partager avec nous, Tess? Oui, c'est une très bonne question. Comment ensuite passer à l'action? Ça fait effectivement le lien avec la deuxième partie du séminaire d'aujourd'hui. Ce que je vous dirais, c'est que ces données, elles ont été très, très utiles pour tout notre travail, pour tous les aspects de notre travail. Pour mener notre plaidoyer en faveur des peuples contre les dettes injustes. Ce n'est pas seulement le fait que nous avons réussi à voir que plus de 52 pays sont surendettés. Dans une campagne récente au Royaume-Uni, nous avons vu que les pays
aller consacrer trois fois plus de ressources à payer la dette privée, que pour répondre aux besoins de leur population. Et ces chiffres montrent combien le paiement de la dette peut être problématique et comment ça mine les droits humains, la santé, l'éducation des populations. Ça démontre aussi, avec les analyses du FMI, on voit qu'il y a des failles, des manques. On voit aussi les secteurs qui dominent par justement les manquements du site du FMI. On voit comment s'exercent les relations de pouvoir. Donc, c'est bon que vous ayez effectivement d'autres données, voir comment y accéder. Regardez le guide, plongez-vous-y, vous verrez, petit à petit, vous arriverez à accéder à l'information. Et merci à Yolanda d'avoir donné le lien. J'aurais certainement oublié de vous parler de choses. Et si vous avez des doutes, si vous n'y arrivez pas, écrivez-nous, on va vous aider, on partagera nos ressources et on vous aidera à vous débrouiller dans tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tess. Je voudrais vous prévenir aussi, Tess a dit que pendant la session, elle n'allait pas rentrer en détail technique. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Si vous avez des questions justement plus techniques ou plus pratiques concernant l'accès à telle ou telle donnée. Il y a beaucoup de choses, vous verrez dans le guide. Mais donc, comme ils ont mené cette campagne pour la dette avec Jubilé, ils ont déjà beaucoup d'expérience. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup, Tess. Ça a été très intéressant. Et comme organisation de la société civile, j'aurais adoré avoir toute cette information parce que nous avons toujours du mal avec nos gouvernements. Nous n'arrivons pas à avoir ces informations. Et tous ces chiffres, toute cette compilation de chiffres, de données et cette analyse nous aide énormément à comprendre quelle est la situation de nos pays. Maintenant, je comprends mieux comment et la situation de la dette en Zambie, alors que notre gouvernement nous disait que non. On voit très bien que dans le budget de l'État, la partie qui est consacrée au paiement de la dette, on se rend très bien compte que nous sommes dans une crise énorme puisque ce qui est consacré aux besoins de la population et du développement du pays, et sans comparaison. C'est la situation réelle aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette information et j'espère que ce sera utile pour vous tous aussi. Pour tous ceux qui voudront comprendre les nuances et pouvoir ensuite questionner vos gouvernements concernant la dette de vos pays. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes avant de passer ensuite à notre session suivante. Je suis très heureuse parce qu'on va continuer, Jean, comme disait Tess, avec les questions de mobilisation et nous aurons Nick, qui est analyste des politiques. Bhumika Mushala, qui est l'analyste senior des politiques de First World Network, et Nick Derden, qui est le directeur de Global Justice Now. On va vous laisser prendre un café et vous détendre un petit peu et on vous attend dans 10 minutes. À moins 10, d'accord? Ah non, à moins 5. 40, 50, oui, c'est ça, à moins 10. À moins 10. Merci beaucoup à tous. On se retrouve à moins 10.
Voilà de retour. La session avec Tess était vraiment très intéressante. Je crois que c'est très important, pas seulement à niveau personnel, mais aussi pour tout, de voir qu'est-ce qu'implique la dette de nos pays. Donc, comme je vous disais auparavant, nous allons commencer une session sur les mobilisations et les stratégies de défense des intérêts des populations. Merci Chennai, merci pour cette opportunité. Merci à Eurodad et merci aussi à tous les organisateurs. Je m'appelle Muchala, c'est mon nom de famille. Mais bon, j'ai l'habitude que personne n'arrive à prononcer mon nom. C'est Muchala. Ne t'inquiète pas, Chennai. Je m'appelle Bhumika et je travaille dans le réseau du tiers-monde, Third World Network, depuis 2009. Je suis analyste politique, donc expérimentée, senior, et je travaille sur les politiques économiques. J'ai travaillé avec les Nations Unies, avec des organisations intergouvernementales sur les questions des ODS, et aussi avec des institutions financières internationales, tout particulièrement avec le Fonds monétaire international et sur les processus de gouvernance économique. La dette est une question qui est à l'intersection entre plusieurs sujets et c'est une des grandes causes des inégalités. Je n'ai pas de PowerPoint, mais je le partagerai sur la page de ressources que nous avons en commun. Ce que j'aimerais faire, c'est de vous parler de l'injustice de la dette, des causes, tant du point de vue politique que social. Et pour cela, je vais mettre en rapport les causes sous-jacentes de la dépendance structurelle que crée l'injustice au niveau de la dette par rapport aux populations. Je vais sortir de la narrative, du récit de la dépendance du crédit externe et de l'accès au marché. Je vais parler des initiatives de la sphère multilatérale également et on va analyser les principes dont nous avons besoin pour arriver aux causes, aux racines de la diversification et des barrières qui se mettent aux différentes politiques d'industrialisation des pays qui ont créé c'est ce qui crée l'érosion, ce qui stoppe le développement des pays qui sont sous-développés. Je vais d'abord définir les caractéristiques macroéconomiques. Tout ne vient pas de la pandémie. Historiquement, il y avait déjà les pays en développement dépensent 184 millions journaliers au paiement de la dette. Une grande partie du Sud global utilise plus d'argent pour payer la dette que pour l'éducation, la santé, etc., les besoins les plus basiques. On ne parle pas des 30-40 dernières années, mais du contexte de cette injustice historiquement. Cela dérive directement d'une logique de lutte de pouvoir asymétrique sur la planète. Ce système est gouverné par une logique de domination à travers la dette. La dette est un instrument de domination. La manière dont ça marche, cette logique, depuis notre histoire, si on regarde en arrière dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui, on voit que ce sont des mesures coercitives indirectes. Cela a empiré avec les dérives du système financier international. Nous voyons que des millions de milliards de dollars partent du sud global vers le nord, que donc les flux de fonds sont plus importants du sud vers le nord que du nord vers le sud. Et nous voyons comment les compagnons du sud demandent
à nos camarades de APMD, des AfroDAD et les autres réseaux, qu'ils prennent en compte la succion permanente de ressources dont nos pays ont besoin pour les minimums. On a demandé aussi, on a obtenu un moratoire, mais on n'a pas obtenu de réduction de la dette à niveau global. On sait qu'il y a un problème de crédibilité. On sait aussi que le fait que les pays du Sud n'ont pas ces initiatives n'ont pas eu un résultat suffisant. Ça empêche la restructuration globale de la dette. En 2020, ce qu'ils ont fait, ça a été de parler de la dette. Ils avaient un récit politique qui a été fondamentale, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un rapport entre la dette des pays du Sud et ça a des conséquences. Ça amène à la colonisation actuelle. Nous avons besoin d'une analyse de la dette. Pour que les pays du Sud en finissent avec le paiement de la dette, pour que la santé s'améliore. Les recherches universitaires disent que depuis les années 60, les pays du Sud ont payé 62 billions de dollars par jour. Ces chiffres sont énormes. Mais la question, c'est que l'intensité de l'exploitation et l'échange injuste pendant la période d'ajustement des années 60 et des années 90 a marqué une deuxième ère coloniale. C'est un problème de l'économie actuelle. Les pays continuent à se baser sur des formes coloniales pour mener leur consommation, et y compris en temps de pandémie. La dette n'existe pas s'il n'y a pas d'excès, ça n'existe pas s'il n'y a pas d'injustice. Au fond de tout ce problème, on voit les inégalités économiques et raciales sont à la base de tout. Nous devons nous centrer sur une justice économique, raciale, féministe, climatique. La relation avec l'austérité est aussi un point important. L'austérité n'est pas juste une politique économique. C'est un mécanisme pour forcer au paiement de la dette en détriment des populations. Et tout ça dans le but de protéger les créanciers. Donc, les moteurs de l'économie sont vraiment liés avec ces plans d'austérité. Et les séries de mesures mises en place par le FMI, ils ne vont pas dans ce sens. On exige le paiement de ces dettes, et ce, malgré une violation des droits de l'homme. Et donc, avec l'austérité, l'austérité va de la main avec l'injustice. Et le FMI, avec ses évaluations indépendantes, ont déclaré en 2018, et la Banque mondiale également dans ses rapports, les recommandations des deux organes ont créé une exacerbation des inégalités, et ça a eu un poids sur
l'éducation, la santé, sur les services publics dans les pays en voie de développement, et plus particulièrement d'un point de vue féministe. Ça a exacerbé ces clivages. Les conséquences d'un non-paiement de la dette ont été exacerbées. Et donc, les plans d'austérité se payent. Ceci a un impact sur la main-d'œuvre, la force de travail. Ça a un impact sur les taxes à la consommation. Ça a un impact sur la société, sur les familles. Et l'ironie de ce système de protection sociale pour la santé, pour l'éducation, les objectifs de développement durable, tout ça, tous ces secteurs-là ont été impactés. Pendant la pandémie et avec l'intensification du changement climatique ces dernières décennies, le service public va vraiment être le secteur le plus impacté par ces dommages-là. Il existe une crise actuelle sanitaire, une crise sur les services publics. Et nous assistons parallèlement à un décalage entre la réalité actuelle et la politique mondiale. Les organisations de la société civile s'organisent et en coalition et ont fait un travail formidable. Mais comment vous pouvez donner la priorité à la promotion de la lutte contre la dette? Quels sont nos besoins instrumentaux pour contrer le FMI, le G20, les autorités gouvernementales? On doit aussi s'intéresser aux principes et aux cadres actuels dont nous disposons de la part de l'ONU. Et avoir en tête toujours les droits fondamentaux, d'abord le droit au développement. Donc, si l'on garde en tête ces principes clés, on peut parvenir à renverser l'ordre international économique. D'abord par des actions civiques, puis des actions politiques. Ça passe par une action collective. Les droits de l'homme, ça veut dire le droit au développement. Ça veut dire avoir le droit de remettre en cause la structure historique économique. Et ce qui n'est peut-être pas politiquement correct, peut-être un système qui permettrait plus d'équité sociale, économique et sociale, et tout ça guidé par les impératifs sociaux, les impératifs des citoyens. Il faut garder en tête les objectifs de développement durable dans notre plaidoyer, et aussi différencier les responsabilités de chacun. Ça nous permet d'examiner l'architecture internationale de la dette et pour nous dans le sud global, l'intérêt est de différencier vraiment cas par cas au niveau des pays
les différentes initiatives multilatérales mises en place. Et en fonction de cette différenciation, on peut trouver comment placer les pays face à leurs responsabilités. On peut ouvrir un espace de dialogue politique et en termes de multilatéralisme. On entend parfois qu'on a besoin d'un plan Marshall vert. On entend ce type de discours, c'est important, mais le problème, c'est que le G20 est un instrument multilatéral. Et il y a un principe fondamental selon lequel un pays égale un vote. Mais comment faire pour que des pays puissent faire entendre leur voix à l'échelle mondiale, des pays qui ne sont pas représentés dans ces G20? Comment peut-on passer à des politiques concrètes? Comment peut-on parvenir au FMI, au G20, au ministère, différents ministères de l'économie? La légitimité va passer par la présence, une présence forte du Sud global. Nous devons faire entendre nos voix, la voix du Sud global. On sait que les organes du FMI, du G20, de l'ONU laissent très très peu de place aux pays de développement, à leur discours, à leurs revendications. Et donc, il est temps d'inclure ces pays, et c'est ce en quoi consiste le plaidoyer. Il faut avoir une stratégie, il faut une approche systémique. Il faut des nouvelles réglementations. Il faut de nouvelles lois sur les investisseurs et les créanciers pour mettre en place une nouvelle architecture financière. Le FMI, le G20 en général propose des solutions rapides à court terme. Et nous devons nous intéresser de façon systémique aux flux de capitaux, plus particulièrement en ce qui concerne le refinancement des pays en voie de développement. Pour conclure, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes témoins d'une continuité territoriale, d'une continuité, d'un héritage colonial qui a été déployé pour servir le marché. La création de la protection sociale et la façon dont le XXe siècle a été construit et a été mondialisé a créé plus de détresse, plus de surendettement de la dette. Et les gouvernements, au lieu de libérer les marchés, devraient protéger les populations. Et j'aimerais rappeler que l'infrastructure interdépendante
des pays, la dépendance aux créanciers, aux agences de notation, à la Banque mondiale, pose les bases de l'impérialisme et aussi à une appropriation systématique des ressources par les mêmes personnes qui détiennent le pouvoir. Et en cette absence de gouvernance, en cette absence de pouvoir et de redistribution des richesses, la régulation des flux financiers doit être une approche indispensable en ce qui concerne la justice de la dette. Et là, je pense plus particulièrement à aux économies, aux marchandises et à l'extraction des ressources qui ont un impact sur la production et sur la sécurité alimentaire. Nous devons regarder la question du transfert technologique. Nous devons comment créer un cercle vertueux. Nous devons regarder en fait comment les droits de propriété doivent se centrer sur la justice. Nous devons lier les droits de propriété aux questions de la dette souveraine parce que l'innovation technologique, 80% de la transférence technologique il faut que nous voyions comment les traités d'investissement ont conformé, sont devenus un outil politique au service des industries et du. Nous devons nous centrer sur une diversification de l'économie. Les efforts de nos sociétés civiles ne doivent pas être toujours en train de, dans la réaction. Ils déploient d'énormes efforts contre les pouvoirs politiques. Il faut que nous trouvions des solutions plus pratiques. Je vous engage à construire des réseaux et plus de connaissances. Merci infiniment pour tout ceci. Ça a été incroyable. Quand vous parliez, c'était une analyse excellente. Ce qui est fondamental de ce que vous disiez, c'est pour faire face à la question de la dette, nous devons véritablement regarder les questions systémiques. Beaucoup de ces mesures de surface qui sont proposées par les pouvoirs, en fait, et ce qu'ils font, c'est taper en touche. Parce que la dette continue à être pour beaucoup des pays en développement ce qui les bloque, en fait. En fait, ensuite, vous avez mentionné qu'il y a eu tellement d'exploitation des pays en développement au long de tant d'années, au point que nous avons également contribué à ce qui s'est passé, à ce système global. Quand on regarde l'histoire sur le long terme, on voit que tout est dans une suite logique. En effet, les mesures d'austérité qui ont été imposées par le FMI et par toutes ces recommandations, entre guillemets, j'ai trouvé cette partie aussi très intéressante parce que toutes ces mesures ne sont orientées qu'à protéger les créanciers, à assurer le remboursement. Et dans ce que vous disiez, si dans une situation de pandémie, dans une situation où nous perdons des vies,
on n'est toujours pas capable d'identifier, de trouver une base morale pour faire face à la situation et que nous ne sommes toujours pas capables de voir la situation en face telle qu'elle est. Et je me base bien sûr sur le continent africain que je connais le mieux. Nous avons été chanceux, entre guillemets, mais moi, je connais des personnes qui sont mortes du COVID et mon expérience est que quand j'allais me faire tester, les mêmes personnes qui étaient testées quand quelqu'un venait chercher ses résultats et ensuite, on allait dans la liste de dossiers et on recopiait tout ça. Il n'y avait pas assez de ressources destinées à ce dont nous avons le plus besoin. Je dirais qu'il y a... Il faut vraiment... C'est vrai que le problème est systémique, le problème est de fond, le problème est de... Maintenant, je vais passer la parole à Nick. Vous avez une très longue expérience de mobilisation et d'établir des stratégies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, continuez à poser vos questions dans la case questions-réponses et comme ça, on pourra vous répondre. Nick, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais construire sur la base de ce qu'a dit Bunica pour ne pas répéter. J'ai fait campagne comme activiste pendant assez longtemps maintenant, donc je suis un activiste du Nord global. Donc ma perspective est différente, mais j'ai écouté au long de ma vie. Donc j'ai travaillé pour Jubilé, la campagne de la dette de Jubilé depuis la dernière crise. Ici dans le Nord, c'est drôle parce qu'on a fait une très grande campagne sur la dette. C'est de là que vient le mouvement Jubilé Dette. Et dans le Sud, les mouvements et les mobilisations étaient un peu différentes. Dans le Nord, le mouvement, surtout en Angleterre et aux États-Unis, venait d'émaner d'organisations non gouvernementales. Et c'était un problème en quelque sorte. C'était un petit peu désordonné. Nous, on était très pauvres. On disait qu'il fallait annuler la dette. C'était comme un point de vue moraliste. Et dans un certain sens, les grandes organisations trouvaient que ce qu'elles avaient réussi était fantastique. Elles avaient réussi, dans quelques cas, faire annuler ou réduire quelques dettes. Donc, ils étaient très satisfaits. Alors, évidemment, ça a été très difficile parce que toujours, c'était des dettes conditionnelles qui ont… ça s'est fait contre des mesures d'austérité. Mais beaucoup étaient satisfaits. Et toutes les personnes qui ont participé se rappellent de ça comme une partie importante de leur vie. Quand on a eu la crise de la dette en 2008, et là, c'est inévitable, tout ce qu'a dit Bunica sur... ce sont des constantes du capitalisme rampant, mais on n'a pas éduqué les gens à ça. Je pensais qu'on avait résolu quelque chose, mais on n'avait rien... On nous avait dit qu'on avait eu du succès, que ça avait marché. Et les gens n'arrivaient pas à considérer que ce qu'ils avaient fait était très peu, en fait. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec Jubilé et quand on a commencé à parler de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, on parlait de crise de la dette en Europe. Et les activistes nous disaient, mais enfin, nous, on est des pays riches, ils vont se débrouiller. Ils ne voulaient pas comprendre... on a échoué à transmettre, à faire comprendre d'où venait la dette et que c'était un problème structurel, que ce n'était pas juste une question Nord-Sud, hein, que ça venait des années 60, que c'est un système en soi, la dette.
comme expliquait si bien Bumika. Donc, il faut vraiment un point de vue radicalement différent. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Donc, il y a des groupes dans le Sud qui font ça depuis des années et des années. Et ils nous demandent tout d'abord si la dette était légitime et ensuite d'où venait cette dette. Il y avait beaucoup d'exemples. Il y avait des... Ensuite, il y a eu des prêts qui avaient été faits de manière illégale, d'ailleurs, à des dictateurs qui ne servaient pas du tout les intérêts des populations. Donc, si on analyse comment fonctionne la question des obligations d'État, comment on voit que ceux qui ont le plus besoin de ressources se sont vus obligés à emprunter avec des taux d'intérêt de 10-12%, alors que mon gouvernement, le Royaume-Uni, obtient des prêts à presque 0%. Donc, il faut qu'on change tout le récit et qu'on voit les choses d'un point de vue de la justice et non pas de la charité. Donc, maintenant, nous allons mener une grande campagne sur comment notre gouvernement donne des crédits à l'exportation. Il dit qu'il soutient les exportateurs pour qu'ils puissent exporter des produits manufacturés vers le Sud. Mais quand on regarde ces exportations, on voit que ces exportations vont devenir une dette encore du pays du Sud. Et ceci indépendamment de si ces gens ont besoin de ces produits, d'ailleurs. Ensuite, on peut parler des dettes individuelles dans nos sociétés. Jubilé continue à s'occuper de ça aujourd'hui. Quand on commence à étudier les hypothèques, les crédits des étudiants, toutes les personnes qui s'endettent dans notre société, tu te rends compte que ce n'est pas un choix. C'est effectivement les gens ne s'endettent pas par choix. La plupart s'endettent parce que sinon, ils ne peuvent pas étudier ou sinon, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont aucun futur. Donc, avec Occupy, on a beaucoup passé de temps avec eux. Et quand on a rentré en contact avec ces gens qui avaient eu des problèmes personnels de dette, on nous parlait toujours en termes moraux. Parce qu'on a une dette morale de rembourser la dette, on a honte d'avoir une dette. Et ce que nous essayons de faire, c'est que les gens n'aient plus honte et qu'ils assument que c'était une obligation, qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Et le simple fait d'en parler pour la première fois comme de quelque chose qui ne devrait pas nous faire honte, que ces dettes, que toutes les dettes, tant au niveau personnel qu'au niveau de l'État, font partie d'un système global, ça nous amène à examiner les choses du point de vue de la solidarité et non plus de la charité. Et nous ne devons plus nous voir comme des victimes. Ensuite, nous avons fait une campagne sur les fonds vautours parce que les banques et le secteur financier, en 2008, alors ça a été évident pour beaucoup de monde, et on a regardé, on a analysé comment se comportaient les banques. Et on a commencé par regarder les formes les plus agressives, les fonds vautours, et on a vu qu'ils achetaient des dettes du pays du Sud. Ils achetaient ça pour pratiquement rien parce que c'était des dettes sur le marché secondaire. Et ensuite, ces fonds vautours traînaient ces pays devant les tribunaux pour les obliger à payer immédiatement parce que tous ces prêts étaient sous les lois de New York ou de Londres. Et ces pays ont été traînés devant des tribunaux à Londres. Et donc, on a essayé d'attirer l'attention de l'opinion publique, de parler avec nos politiques. Et les politiques, dans la plupart du temps, ils disaient, mais oui, c'est comme ça, la dette peut s'acheter, se vendre. Et les dettes d'un pays par rapport à une entreprise, ça a été facile de convaincre les gens
de leur montrer que c'était pas correct, c'était pas bien de traîner les pays devant les tribunaux alors qu'ils n'avaient même pas de quoi payer la santé, l'éducation, enfin, qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et ensuite, on a vu que des députés qui, effectivement, ont soutenu ce point de vue devant le Parlement. Et je me demande si on ne devrait pas recommencer ou si on ne devrait pas faire quelque chose de plus. Parce que ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas juste dire « Ah, ça, là, vous avez des méchants capitalistes. » Parce que oui, et après, c'est ainsi que fonctionne le système. Ensuite, expliquer quelque chose aussi simple qu'un fonds vautour, c'est assez facile, mais ça ne dit pas tout du système financier. On essaie d'expliquer comment fonctionne BlackRock, comment fonctionne, pour montrer qu'eux aussi fonctionnent comme des fonds vautours. Les grands financiers fonctionnent comme des fonds vautours parce que ce sont eux qui ont pris le risque d'acheter des dettes qu'un pays ne peut pas payer en sachant parfaitement que le pays ne pouvait pas payer. Donc, s'ils ont pris le risque et qu'ils ont perdu, ben tant pis pour eux, non, ça ne devrait pas être comme ça. Le pire dans le monde, c'est que l'État, d'un point de vue, en se plaçant d'une manière moraliste, intervient et garantit que les fonds vautours seront payés, même s'ils ne vont pas pouvoir couvrir les besoins de leur population. Parce qu'ils ont peur de ne pas avoir accès à un prochain prêt. Avec la pandémie, les grands financiers ont gagné plus d'argent que les années précédentes. Alors, c'est très bien tant que… Comment pouvons-nous faire pour changer et transformer la structure? Ce n'est pas juste une question d'annuler la dette. Bien sûr, il faut annuler la dette. Quelques réflexions finales. C'est quelque chose que nous avons tous présent au Royaume-Uni. Nous avons la conférence de l'ONU. Nous savons comment fonctionne l'économie. Mais de fait, on pourrait considérer le climat comme une dette que les pays riches du Nord devraient payer aux pays du Sud, par exemple. Il faut penser il faut permettre à tous ces pays de satisfaire les besoins de leur pays parce que dans 50 ans, ça sera très difficile. Ça sera beaucoup plus tard, beaucoup trop tard. Il y a une grande vague de mobilisation aux États-Unis, la Black Lives Matter, les vies noires importent, je suppose que vous en êtes rendu compte. Et ça a à voir avec l'identité. L'identité a à voir avec la dette, parce que je crois qu'il faudrait qu'on pense à l'économie de manière plus large. Pensez à la campagne Black Lives Matter, parce que si nous y pensons en termes économiques, à cette campagne, si nous pensons à cette campagne de Black Lives Matter en termes économiques, nous verrons que beaucoup de choses sont applicables aux questions de la dette ou sont même liées à la question de la dette. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est informer les gens, expliquer l'histoire de la résistance et des luttes. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui s'est passé. Même les jeunes Africains ne savent pas qui est Thomas Sankara, alors que Thomas Sankara a une longue histoire de résistance qui est très importante. Il faudrait qu'on le décrive et qu'on voit que les gens marginalisés dans nos sociétés soient aussi conscients des luttes du passé et qu'ils peuvent aussi se défendre, qu'ils en sont capables. Vous êtes dans une situation désespérée, vous avez besoin de quelqu'un pour vous sortir de là. Mais c'est ce qu'on leur a dit.
Et en ce qui concerne la jeune génération, en novembre dernier, les jeunes se sont manifestés à Londres. Et grâce à cette action, ils ont appris toute l'histoire du colonialisme qui se cachait derrière ces mécanismes de dette. Et donc, grâce aux médias aussi, le message a été porté, a été transmis hein, à la société au sens plus large. Et donc, je crois que donner ce sens de pouvoir à la jeune génération est très, très, très important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Nick. Je vous remercie. Merci pour ces remarques très avisées. Ça m'a fait penser, quand je travaillais à l'école, quand j'étais à l'école, lorsqu'on apprend l'histoire européenne, eh bien, si on veut apprendre l'histoire africaine, on doit faire un cours en plus pendant l'été. Et il y a aussi un besoin de décoloniser notre système d'enseignement. Et ce que vous avez dit par rapport à Bhumika et par rapport à cette approche systémique, je crois qu'il faut nous attaquer à la racine, au cœur du problème. Et vous avez raison lorsque vous dites que cela n'arrivera pas tant qu'on ne lutte pas contre le système capitaliste. Et vous avez donné de très, très bons exemples sur la façon de le faire. Donc, encore une fois, tous les participants, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions dans le chat. Je vois qu'on a des commentaires qui affluent. Et on a vraiment apprécié la présentation, les deux, hein, de Nick et de Bhumika. Donc maintenant, comme il s'agit du dernier webinaire d'une longue série, l'objectif était d'identifier des actions clés, vraiment essentielles, et des étapes pratiques à prendre en compte pour défendre notre cause. Donc, vous nous avez donné quelques pistes, par exemple, sur ce que la société civile peut faire pour influencer le système mondial et pour jouer en notre faveur, nous, les pays en voie de développement. Donc, vous avez parlé de certaines idées, mais ce serait bien si vous pouviez les structurer un petit peu, je ne sais pas, à point 1, point 2, point 3, ce serait vraiment formidable. Parce que comme ça, on sortirait de la réunion en ayant une idée claire des étapes à suivre. Merci beaucoup, Nick. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, votre présentation, plus particulièrement des points précis par rapport à la justice de la dette. Les États doivent protéger, doivent garantir les droits des citoyens et ne doivent pas les posséder. Et l'aspect moral qui est lié au remboursement de la dette est vraiment lié et on doit recalibrer cette valeur morale associée au remboursement. Ça va dépendre de trois choses. Il faut être on a beaucoup parlé de comment recalibrer, réaxer ce discours, si je puis dire, et comment en faire une approche un peu plus holistique et en synergie. Comment lancer des campagnes médias? Ça, on l'a fait.
C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais je pense que ce qui est important, c'est les ressources, les ateliers et les ressources pédagogiques. Comment on peut élargir toutes ces ressources-là dans la société, dans les écoles, les lycées, les universités? Comment élargir ce spectre de coalition, le faire passer d'une échelle locale à une échelle nationale? Il y a beaucoup de mouvements qui nous inspirent, des mouvements du Sud, qui partent vraiment de tout petits villages et qui font porter leur voix jusqu'à une échelle nationale et parfois mondiale en ce qui concerne la transparence et la responsabilisation budgétaire. Et grâce à ces outils de campagne à l'échelle locale, on peut faire passer le message. Donc, moi, ce que j'aimerais insister sur la cohérence au niveau de l'espace de dialogue à l'échelle internationale. Comment peut-on cibler notre discours sur une élite du pouvoir? Donc, on peut parler de comment recalibrer nos mouvements et nos campagnes. Les médias ont le pouvoir de se sensibiliser, de transférer des idées. Il faut en profiter pour faire sortir les gens dans la rue. Et on a l'exemple formidable d'une jeune activiste du climat qui a réussi à faire bouger les gens dans la rue, qui a réussi à attirer beaucoup d'activistes. Il est important de renforcer ces liens. Et le mouvement Black Lives Matter aussi est central. Quels sont les taux d'intérêt que payent les pays africains? Ça, c'est de l'injustice raciale, il faut le dire. Et le fait que les pays en voie de développement ont les moyens de se libérer, qu'ils ont à leur disposition des outils. Il faut vraiment mettre toutes ces ressources en relation. Et une autre idée aussi, ce serait de comprendre la dette dans son contexte historique, comprendre qu'elle traîne un long héritage. À une certaine époque, il y avait des cadres internationaux de souveraineté qui mettaient en avant la primauté des contrats. Et les pays en voie de développement qui étaient en défaut de paiement étaient montrés du doigt. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces pays surendettés? Qu'est-ce qui a changé dans ce discours Il faut dépolitiser la nature politique de cette dette. Nous devons intégrer les aspects historiques et politiques qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bemika. C'était vraiment très important d'avoir... On a pu voir des points spécifiques, des actions à mettre en œuvre. Oui, je suis d'accord.
Au début, j'étais assez critique par rapport au mouvement Jubilee. Il y a eu un phénomène à la fin des années 80 dont j'ai fait partie, qui est un mouvement anti-mondialisation. Et on n'a pas eu de grandes victoires, mais on a quand même obtenu de petites victoires. Et le concept de jubilé provient des Juifs. Alors, je ne suis pas chrétien, mais c'est la façon dont les richesses étaient accumulées par certaines personnes et dans la société. La pandémie sert notre cause aussi. Mais il faut faire bien plus. Et un autre point très important, c'est vraiment de parler, d'impliquer les investisseurs, les créanciers privés. Il y a une concentration de capitalisme et dans ces entreprises, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Il y a une concentration de capitaux énorme. Et en tant que planète, il faut mettre au défi ces entreprises qui détiennent le pouvoir. Et au Royaume-Uni, lorsqu'on voit le pouvoir qu'ont ces entreprises ici, lorsque je parlais des années 80. On en était encore à l'héritage de la Révolution française et des biens détenus par certains privilégiés. Merci beaucoup, Nick. Je vais vérifier l'heure. Est-ce que nous avons des questions? Oui, super. On a une question de Danish. Étant donné les espaces de discussion autour de la dette, comme le FMI et le G20, quelles actions spécifiques peut prendre la société civile pour aider ces pays en développement à obtenir des marchés plus justes. Oui, attendez, je regarde la question, je suis en train de la lire. Et vous savez ce qui se passe avec le G20 et le FMI et le reprofilage de la dette. Un grand nombre des informations qu'on a proviennent de ces bases de données, de ces organes-là. Et donc, c'est pas, elles sont pour la plupart d'entre elles pas accessibles. Alors, en ce qui concerne des actions spécifiques que les sociétés civiles peuvent prendre, je crois que l'une d'entre elles, évidemment, serait je suis en train de regarder aussi des commentaires sur Nick. Mais en ce qui concerne le cadre commun, pour essayer de relancer le débat, pour inclure les médias dedans, on a besoin d'inclure la société civile dans cette procédure. En prenant en compte les niveaux de capitaux à l'échelle nationale, dans les campagnes que nous menons auprès des institutions internationales, une grande partie du plaidoyer doit traiter
aussi doit prendre en compte le capital des pays donneurs. Et c'est ce que disait Nick avant avec l'importance que prend le secteur privé dans la ville de Londres. Et là, le pourcentage de personnes dans le secteur privé qui ne veut pas participer à cela est très important. Et dans certains contextes, ce qui est positif, en Argentine, et lorsqu'on regarde certains exemples où la restructuration de la dette a été plus inclusive, on voit le rôle qu'ont eu les audits sur la dette. Et même en Tunisie, avec après les printemps arabes en Tunisie, par exemple en 2011, on a vu cela aussi. Donc, je crois qu'il faut combiner tous les différents acteurs des sphères économiques et politiques et rendre les informations plus accessibles, partager les bonnes pratiques. Oui, je cherche des exemples. Je cherche des exemples dans le monde. Nick, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, pardon? Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux. Parfois, il faut s'intéresser aussi à l'extérieur, à la pression exercée par les capitaux pour le pays en question. Vous avez parlé d'un spectre, il me semble, avant, hein, c'est-à-dire qu'un spectre qui est composé de beaucoup d'acteurs différents. Merci énormément à tous. Je crois que ça a été une session vraiment captivante. J'ai été ravie d'animer cette séance. Je crois qu'Hilaria veut nous annoncer des choses par rapport à la suite des opérations. Hilaria, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci Nick. Merci Boukima, c'était extrêmement intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille pour Eurodad. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur la dette, parce que je pense que c'est la séance parfaite pour vous dire que c'est l'occasion de vous engager davantage. Eurodad va lancer une nouvelle campagne. La dette est intrinsèquement liée à d'autres enjeux. C'est le sujet de la campagne. Nous sommes au début du lancement de cette campagne. Nous sommes en train de choisir les meilleures stratégies. Et ensuite, nous espérons la lancer en septembre ou octobre. Voilà, je voulais vous en parler. Si vous êtes intéressé, souhaitez rejoindre le mouvement, n'hésitez pas. Nous serions ravis de compter sur votre aide. Vous pouvez nous écrire. Et à l'heure actuelle, on est centré sur deux groupes. Un groupe qui va s'intéresser aux stratégies et un autre qui va organiser plus concrètement la campagne en termes opérationnels. C'est intéressant de voir comment on lance une campagne. Donc, ça peut être une bonne occasion pour vous. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais rendre le micro. Je suis triste, je suis contente mais triste à la fois parce que c'est le dernier webinaire de notre série. Je vais céder la parole à mon collègue pour les dernières remarques. Merci à tous. Merci beaucoup, Hilaria. Merci beaucoup, Achenaï.
Ça a été vraiment une session captivante, fascinante. Ça a été ainsi un parcours très intéressant. Nous avons commencé au début du printemps 2020. Nous avons organisé 7 séances en tout qui ont été très instructives avec des intervenants passionnants. On a couvert 14 sujets sur beaucoup d'aspects de la dette. Donc, je vous remercie. Merci à tous les participants. Merci aux intervenants et aux participants de toutes les sessions. Merci aux interprètes qui ont fait vraiment du bon boulot. Merci d'avoir fait que ces séances étaient vraiment très ouvertes à tous et à toutes. Et merci bien évidemment aux bailleurs de fonds. Merci pour leur aide. Que pouvons-nous nous faire ensuite? Quelle sera la prochaine étape? Bumika a insisté sur la partie systémique. À travers les mercredis de la dette, nous avons réalisé que la dette n'est pas seulement qu'une question économique et technique. C'est complètement lié à des questions de, tout d'abord, le patriarcat, le colonialisme, l'extractivisme, le capitalisme. Et la question qui émerge immédiatement. Et donc, que pouvons-nous faire ensuite? Ilaria nous a donné une piste immédiate. Il y a une prochaine campagne dont on est très enthousiasmé à l'idée de se lancer. Ça va inclure la lutte climatique. Ça va inclure la jeunesse qui est très impliquée dans cette lutte. On va leur demander de bien sûr joindre. Et comme a dit Nick et a dit Bumika, il y a une dimension là-dedans. Toutes les personnes qui sont capables de faire le lien avec le mouvement de la dette, vous êtes naturellement invitées, quelle que soit votre lutte, à faire partie des discussions politiques, stratégiques pour orienter, influencer, peser sur nos stratégies pour mener une lutte globale, un plaidoyer global pour faire que la lutte contre les dettes injustes soit liée avec la réalité et pour inclure la dimension d'égalité. Il faut que nous influencions le discours sur la dette parce que le G20, tout ce qu'ils vont dire va finalement être ce qui va être décidé pour l'année prochaine. Et c'est nous qui devons nous assurer que ce qui a été dit en théorie, qui était bien gentil, ne reste pas au niveau de la théorie et du grand discours, et que nous devons faire le lien avec nos communautés, nos réalités. Nous devons être partie de toutes les campagnes que vous rencontrez, et nous devons rester en contact, élargir nos contacts. Je vous invite à aussi prendre l'initiative. Bumika a mentionné les Fridays for Future, jeudi pour le futur, de tous ces jeunes qui abandonnent l'école un jour par semaine parce qu'ils ne veulent pas être partis, ils ne veulent pas faire partie de cet écocide. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité en cours. Et aujourd'hui, il nous faut être encore plus radicaux et encore plus créatifs. Pour revenir aux publications, quand on a parlé de la situation dramatique dans laquelle on se trouvait et sur laquelle on a informé sur l'urgence humanitaire du COVID. Et cette pandémie, bien sûr, a encore empiré ce qui était déjà une crise de la dette, une crise d'inégalité.
une crise systémique, la crise de la violence raciale et patriarcale, et par-dessus le Covid. Mais toutes ces crises sont liées. Elles ont augmenté, bien sûr, elles sont encore augmentées par la crise humanitaire du Covid. Et donc, le message que nous lançons dans notre dernière publication, c'est que les gens ne vont pas rester à dormir alors que la maison est en feu pendant encore très longtemps. Les gens vont réagir et nous souhaitons ne pas arriver à un point de révolte mondiale des populations, de guerre civile en quelque sorte. Donc, elle n'a pas dit hein, guerre civile, mais nous souhaitons sortir de là avant, encore, si le dialogue est encore possible, si nous pouvons encore montrer au reste de la population comment les choses sont. Donc, merci à tous pour avoir participé. Merci à tous nos donneurs et à tous les orateurs. Merci. Donc, je crois qu'on termine la session d'aujourd'hui. Merci encore une fois à tous les participants. Tess, merci de toute cette information qui va nous permettre de continuer à étudier, à nous informer. Merci. Merci à Boumika et Yannick. Merci à Eurodad. J'ai énormément pris plaisir à cette session. Et encore une fois, merci à tous. Bon après-midi, bonne journée ou bonne nuit. Merci à tous.